Daniel 9. Daniel 9. À 19. From verse 1 to 19. Daniel chapitre 9, verset 1 à 19. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères,
Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tâte pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Amen. Lis le verset 21. Read verse 21. Le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Lis le verset 12 du chapitre 10. Read verse 12 of chapter 10. Le verset 12 du chapitre 10. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu we have seen qu'il faut s'identifier à son peuple. That you must identify yourself to your people. Ce qu'on a vu hier. This is what you saw yesterday. Aujourd'hui, today, nous voyons à travers cet exemple qu'il faut supplier Dieu. And you see after through this example, you need to supplicate with God. Il faut supplier Dieu. You need to beseech with God. C'est Dieu qui renverse les principautés familiales. It's God who overthrows the family principalities. Mais c'est toi qui travailles. But you are the one working. Dans la prière, c'est toi qui déclenche. In the prayer, you are the one who triggers the battle. Dieu cherche God seeks les hommes qui vont se tenir avec lui. Man who stand with him. Pour implorer pour le salut de leur famille. To call upon God for the salvation of the family. Pas d'arrogance dans la prière. No arrogance in prayer. Parce que because nous ne méritons rien. Because you deserve nothing. Quand tu étudies Daniel, il confesse les, il reconnaît leurs péchés. When you study Daniel, he acknowledges their sins. Il reconnaît que Dieu a averti pendant des années. He acknowledges that God warned for years back. Nous devons reconnaître que même étant dans les fausses religions, on savait quand même qu'il ne faut pas vivre dans l'adultère. We knew that even being in a false religion, you should not live in adultery. Même étant dans la fausseté, les gens savent qu'il ne faut pas mentir. Even living in falsehood, people know that they should not lie. Donc un intercesseur reconnaît devant Dieu que la vérité leur avait été révélée, so d'une manière ou d'une autre. And it is a acknowledge before God that the truth was revealed to them in any way. Tu dois reconnaître que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, sont persécutés dans ta famille. You must recognize that the men of God, the children of God, are persecuted in the families. Tu dois reconnaître que les gens n'aiment pas la vérité. You must know that men do not like truth. Si tu prêches le mensonge, if you preach lies, ils t'aiment. They love you. Mais si tu commences à leur dire la vérité, but you start telling them the truth. La vérité c'est quoi? What is truth? C'est de dire aux gens,
is to tell men vous vivez dans le mensonge, vous allez à l'enfer. Yeah, you are living lies, you go to hell. Que Dieu n'aime pas le mensonge. And God does not like lies. La fausseté c'est quoi? What is falsehood? C'est de dire aux gens que Dieu est bon. Is to tell men that God is good. Dieu est bon, Dieu nous God connaît. Is good, God know us. Il ne peut pas nous juger. He cannot judge us. Et mais l'enfer, Dieu, Dieu qui aime les gens, la mettre les gens dans le lac de feu, non, non. Put man in the lake of fire. God will last man like that? No. Et on dit les messes pour les morts, on se fait baptiser pour les morts, on se rassemble, on mange, on boit, on prie, on danse, mais on pêche. And you make a mass for the dead, you gather, you dance, you eat, you drink, but you sin. Tu dis, tu reconnais, tu reconnais. You acknowledge, you acknowledge. Il dit les, nos chefs, that have your churches, nous-mêmes, our selves. Tu as envoyé les prophètes, ils n'ont pas écouté. You send prophets, they do not listen to them. Tu les envoyais le matin, tu les envoyais à midi, tu les envoyais le soir, ils n'ont pas écouté. You send in the morning, and at midday, in the night, they do not listen to them. Tu ne dis pas ça pour condamner le peuple. You do not say this to condemn the people. Parce que dans, quelqu'un qui vient supplier Dieu ne vient pas juger ses frères pour qu'ils aillent à l'enfer. Because someone who comes to bishop with God does not come to judge his people for them to go to hell. Tu veux prouver à Dieu, you want to prove to God que tu as découvert sa volonté. You have discovered his will. Frère, la Bible nous appelle les prémices. The Bible calls us the firstborn. Tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus sont les prémices de Dieu dans leur famille. All those who have given their life to God are the firstborn in their families. Nous connaissons la vérité. You know the truth. Il supplie, il dit, nous ne méritons pas, ce n'est pas ta miséricorde, ce n'est pas tes compassions, ce n'est pas ton amour. He besieged, he said, you do not know it. It is out of compassion, out of your mercy, out of love. Pardonne-nous. Forgive us. Vous voyez les combats que les frères mènent. You see the battle led by brothers. Un frère vient de dire qu'il coupe la main d'un esprit, la main revient. The brother said, they cut the hand of the spirit and the hand come back. Donc les parents sont envoûtés, ils sont enchaînés. So parents are bewitched. Nous-mêmes nous étions enchaînés. USA, we also chained. Nous sommes là par principe de l'élection. We are here by the principle. C'est-à-dire que Dieu est venu, il a dit bon, toi viens, tu seras le premier. Jesus came and said, you come, you didn't do anything. C'est-à-dire que Dieu veut sauver ta famille, il te choisit d'abord. God wants to save your family, he chooses yourself before. Les premières personnes qui vont diriger cette œuvre-là, tu fais partie de ces personnes-là. The first people who will leave that work, you are part of those first persons. Le principe de l'élection veut qu'on croit que ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, c'est de Dieu. C'est Dieu qui décide que doit saillir, vient avant les autres. Il sera sauvé, il va prier pour ses frères. The principle of election means that it does not depend on the one who run. It says, God comes and says, doit saillir, come. He should be the first one to save the members of his family. Frère, là où tu es assis, tu es élu. Brother, where you are seated, you are elected. C'est écrit, c'est une doctrine qu'on doit connaître. It is written, it is a doctrine which must be known. Daniel, c'est un élu. Daniel was an elected one. Quand tu es élu, when you are elected, il y a des choses qui concourent. There are things that govern. Pour que tu saisisses les desseins de Dieu. For you to know the purpose, the will of God. Tu ne sais pas comment les choses se sont passées, tu es là. You don't know how things happen, but you are there. Tu as laissé le péché. Tu ne sais pas par comment, mais tu as déjà laissé. You left sin. You don't know how it happened, but you left sin. Hallelujah.
Tu supplies Dieu. You beseech with God. Tu rends grâce. You give thanks. Tu lui rappelles. You remind him. Les moqueries des gens. Mockeries of people. Tu dis, nous sommes l'objet des moqueries. You say we are mocked at. Les railleries. We are mocked at. Hallelujah. Hallelujah. Et comme le frère Zach a dit, as brother Zach said, le ministère de la supplication, il dit, ces choses-là sont pour te provoquer. As brother said, the ministry of supplication, those things are here to provoke you. La souffrance, sufferings, te provoque, provokes you. Les moqueries, mockeries, te provoque, provoke you. Alléluia. Alléluia. Sinon, ton intelligence va rester endormie. Donc, Dieu crée des situations pour réveiller ton intelligence. For no intelligence to be asleep, God creates a solution to revive them. Quelqu'un peut se moquer de toi. Somebody can mock at you. Et tu commences un niveau de prière que tu n'avais jamais voulu faire. And start a prayer at a level that you have never wanted to do. Alléluia. Alléluia. Tu peux échouer, tu dis gloire à Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu échoues encore, tu dis gloire à Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. You can fail. Tu échoues encore, tu dis, je suis venu rendre les actions de grâce douloureuses. Mais le jour où quelqu'un va te dire, regarde-moi, une masse d'échecs. Jésus, Jésus. Regarde, regarde. Quand tu vas rentrer, jeûne de 40 jours. You can fail once, you can say everything gathered to the good one. Second time, third time. What's about to mock you? Look at a mass of failure. Et Dieu va t'exaucer. And when you go home, you wait 40 days and God will grant you. Et le frère Jean dit que Bénin a mortifié Anne. Et c'est ça qui a provoqué l'intercession. And the Bible said that Bénin was mocked at Anne. This was created intercession. Quand tu as honte de ta famille, tu ne peux même pas dire aux gens que mon village est à tel endroit. C'est une provocation. When you are ashamed of your village, you can say my village is located in that place. It is also a kind of provocation. Dieu est en train de te dire, si tu ne fais rien, voilà votre condition. God is telling you, if you don't do anything, this is your condition. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand on te raconte certaines histoires de ta famille, la honte qui te saisit est un appel, c'est une invitation à commencer la bataille. If you are reminded some stories of your family, it is a recall for you to start an intercession. Ceux qui ne se laissent pas provoquer restent dans l'indulgence et passivité et la situation va continuer. Don't do not let yourself be provoked, remain indulgent in passivity, and the situation remains the same. Au lieu de désirer la mort, instead of desiring death, il faut se lever pour intercéder. Stand up for interceding. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour renverser les principautés familiales. To overthrow family principalities. Dieu demande. God asks qu'on sache que c'est lui-même qui a livré les gens à ces principautés-là. C'est lui-même. That is the one himself who delivered people to those principalities himself. S'il décide, if he decides de délivrer, to deliver, c'est lui-même qui frappe. He's the one who hit. Il envoie ses armées. He sends his armies. Il envoie ses anges. He sends his angels. S'il y a résistance, il envoie un renfort. If there is resistance, he brings help. Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que what God revealed to me is that il y a des anges qui sont pour le combat, pour la destruction. That angels are there for the battle, for the destruction.
Il y a des anges qui sont pour les révélations. The angels are there for revelations. Il y a des anges pour la guérison. The angel for healing. S'il envoie un ange pour te guérir. If he sent an angel to heal you. S'il y a un esprit qui veut lutter. If there is a spirit who want to fight. L'ange qui est venu pour te guérir ne le touche même pas, il attend. The angel who just came to heal you does not move, he waits for. Et un autre pour détruire sera envoyé. And I want to destroy you be sent. Quand il arrive, when he comes, c'est comme un éclair. It is like a flashlight. Pour venir tailler en pièces et partir. And he destroy it and it is gone. Si tu es dans l'abîme. If you are in the abyss. Si Dieu envoie. If God sends. Un ange te sortir de l'abîme. An angel to take you out of abyss. Ceux qui délivrent là. Those who deliver. Personne ne peut les en empêcher. No one can prevent them from doing it. Comme l'éclair. As a floodlight. Comme les témoignages disaient là, une main est venue du ciel entrer dans la mer. Avec te saisir, te tire. A hand came to the sea to draw you out. Tes ennemis restent dans l'eau. And your enemy remain in the water. Et tu es sauvé. And you are saved. Donc c'est Dieu qui organise le renversement. It's God who organizes the overthrow. En réponse à tes supplications, à tes supplications. As an answer to your supplication, to your supplications. Ne fais pas de prières arrogantes. Seigneur, pourtant je me suis baptisé, on m'a dit de faire, j'ai fait. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore? Tu fais ça, ton dossier est écarté. Parce que tu ne connais pas Dieu. Don't be arrogant. By me, it's arrogant because God, I will get baptized. I'm repented. Why not to deliver me? If you do this, pas de prières arrogantes. No arrogant prayer. Pas d'irritation en prière. No irritation in praying. Vous savez, l'homme, le moi de l'homme est dangereux. You know, man, the self of man is dangerous. Il y a une manière de prier. Comme Job disait que quel péché il a commis, que Dieu lui dise, il va accrocher ça sur son épaule. As Job was saying, what sin did he commit? God should raise it and he's going to write it on his shoulder. Il y a des prières, tu souhaites que Dieu soit choqué, tu veux choquer Dieu. Non, ça c'est le chantage. That's some prayer. You want God to be shocked? You want to shock God? No, this is blackmail. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Va vérifier si tu as même fait ce qu'on t'a dit de faire. Va vérifier d'abord. I did all that I was asked to do. Go and check. You see, if you really did what you were asked to do. Et ça freine l'œuvre de Dieu. And it blocks the work of God. Des supplications. Supplications. Tu rappelles à Dieu l'alliance éternelle. You remind God the eternal covenant. Quand il voit l'alliance, when he sees the covenant, il commence, he starts à planifier ce qu'il peut faire pour toi. Planning what can do for you. Tu lui rappelles ses bontés. Your money is kindness. Tu dis c'est toi qui a fait ça, c'est toi qui a fait ça, c'est toi qui a fait ça, c'est toi qui a fait ça. You are the one who does this. You are the one who does this. You are the one who did this. You are the one who do that. Tu m'as délivré de tel accident. Je vivais encore dans le péché. Tu m'as délivré de tel accident. Tu m'as délivré de tel mort. You delivered me from this accident. I was living in sin. You delivered me from this death. L'apôtre dit, à peine mourrait-on pour un juste. Apostle said, how can a man die for a just one? Encore mourrait-on pour un homme de bien. And what about dying for a man of si goodness? Tu étais encore dans le péché, il était déjà mort pour toi. You were encore living the sin. He died for you. Dieu veut qu'on reconnaisse ça quand on implore sa grâce. God wants us to acknowledge when you plead with him. Ceux qui savent plaider seront toujours exaucés. Those who know how to plead, you'll be heard always. Ne commets pas l'erreur de dire, j'ai déjà prié pour ça, je suis même fatigué de prier. Don't commit the error, say, I've already prayed for that. I'm tired, I will not pray for that again. Et veille sur ta prière pour qu'elle reste constante dans la persévérance. Watch over the prayer to remain constant in perseverance.
Ne commence pas, Seigneur, sauve ma famille. Après, tu commences à dire, donne-moi la chaussure, donne-moi la chaussure. Don't say, God, save my family. God, save my man. After God gave me a shoe, got me shoes. C'est-à-dire que tes besoins personnels te font dérailler après deux minutes d'intercession. That your personal need makes you to go astray after 2 minutes of intercessions. Tu veux la délivrance de la famille, mais ton besoin te fait marquer d'abord une pause. Et insister sur ce qui te concerne toi seul. You want a deliverance of your family, but you need to make a pause and to insist on what concerns you personally. Là, tu as raté. And in this case, you have failed. Le Seigneur m'a révélé. Je méditais sur le fait que les enfants de Dieu ont des blocages sérieux après toutes les délivrances. God revealed me that I was meditating about that. How the kids are going to have serious problems after deliverance, after all the deliverances. Du moins après le niveau de délivrance qu'on maîtrisait déjà. After the level of the difference that you mastered already. C'est là où le Seigneur m'a dit. This is what God, at the moment God told me. Il y a les malédictions qui planent sur toute la famille. There are curses that rule over the family. Pour que Dieu les enlève, for God to remove them, il faut que quelqu'un demande le pardon de toute la famille. You need someone to ask for forgiveness for the whole family. Parce qu'il ne peut pas annuler pour une seule personne. Because you cannot cancel for one person. Et il m'a pris l'exemple d'une nation. And it gives me the example of a nation. Si Dieu dit qu'il y aura la sécheresse dans telle nation, if God said there's going to have a drought in such a nation, qui vit dans le désordre, who live in disorder, dans l'idolâtrie, idolatry, dans les meurtres, murders. Si quelqu'un se convertit, if someone get converted, il sera toujours dans un pays de sécheresse. He will always be in a country where there's a drought. Car les gens s'en vont chercher de l'eau dans la nature. Lui aussi, étant enfant de Dieu, va aller avec eux. Pourtant, il est sanctifié, mais il a soif dans un pays jugé. When people go and see water in the nature, even say being a child of God, you also go and see for water. Because it's firstly in a nation which you judge as a son of God sanctified. Il m'a montré l'exemple des enfants d'Israël, les gens comme les Daniel et les autres, allaient en captivité étant innocents, bien qu'étant innocents. He showed me the example of the children of Israel, Daniel and others, who want to captivate, being innocent. Daniel est en train de lire le livre de Jérémie. Daniel is reading the book of Jeremiah. Quand il découvre que Dieu avait averti que si le peuple continue dans la désobéissance, ils iront en captivité pendant 70 ans. When he discovered that God warned that if the people live into disobedience, they go to captivity for 70 years. Un jeune homme intègre. He was a man living in integrity. Quand il y a une malédiction nationale, what is the national curse? Il faut des gens qui vont se lever pour implorer la grâce de Dieu pour la nation. We need people who stand up and pray for God for the grace for the whole nation. C'est ce principe-là qui amène Dieu à nous enseigner comment prier pour la ville où nous sommes. It's this principle that leads us to know to pray for a nation, for a town where we live. Si tu veux être heureux, if you want to be happy, recherche le bonheur de la ville où tu vis. Seek the happiness of the city where you live. S'il y a la guerre, tu as des problèmes. If there's war, you have problems. S'il y a les agressions partout, tu as des problèmes. If there's aggression everywhere, you have problems. Si tu pries pour la ville, if you pray for the city, prie pour la ville, you pray for the city. Quand Dieu donne la paix, when God gives peace, tu es heureux. You are happy. Alléluia. Alléluia. Ton bonheur dépend de la famille où Dieu t'a placé. Dépend du bonheur de la famille où Dieu t'a placé. Your happiness depends on the happiness of the family in which you come from. Quelqu'un te dira, non, c'est quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand quelqu'un va mourir, on va t'appeler d'aller enterrer. Et tu es le seul fonctionnaire. Tu enterres tout le village. Somebody will say that if somebody is in Christ, everything has become new. But when somebody will die, they call you as the only civil servant to go and bury him. Donc, même si tu as un peu, ça ne suffit pas. Tu es le seul. Tout le monde est maudit. Si tout le monde est riche,
En deux minutes, on a déjà cotisé même 10 millions. Ça ne pèse sur personne. Even you have a little money, it is not sufficient because you are the only one. But if everybody is rich in 2 minutes, you have already gathered 10 millions. Dès qu'il y a un problème, tout le monde t'appelle. Tout le monde t'appelle. As soon as there's a problem, everybody calls you. Everybody calls you. Tu ne peux pas être heureux. You cannot be happy. Alléluia. Hallelujah. Mais si tu obtiens la grâce de Dieu. But if you obtain the favor of God. Que Dieu décide de ne plus vous résister. That God decide not to resist you anymore. Qu'il décide d'ouvrir les portes de l'emploi, des mariages. They decide to open doors for work, for marriage. Tu arrives au village, l'évangile prospère, les gens marchent selon la volonté de Dieu. You go to the village, the gospel prospers, people walk according to the gospel. Personne ne te persécute, tu es heureux. Nobody persecutes you, you are happy. C'est ce que Dieu veut que nous recherchions. This is what God wants us to seek for. Il faut rechercher la paix de ta famille. Seek peace for your family. Il faut rechercher leur salut. Seek for their salvation. Jésus doit entrer dans la famille. Jesus must enter into your family. Donc nous allons nous tenir debout. So we stand up. Frères, brothers, quand Dieu exauce, when God hears you, il y a des maladies comme les hémorroïdes. Qu'est-ce qui sont des malédictions de la famille? Il y a des diseases like hemorrhoids. If there are curses of the family. Il y a des maladies comme la lèpre. Diseases like leprosy. Il y a des familles qui ont été maudites depuis l'Antiquité. Dieu les a maudites et Dieu a décidé qu'il y aura au moins un lépreux dans la famille. The family were cursed for a long time ago and God decided that he's going to have always a leper in that family. Gehazi avait été maudit parce qu'il a pris les offrandes de Naaman. Gehazi was cursed because he took the offerings of Naaman. Et Dieu a dit, Élisée a dit, il y aura toujours un lépreux dans ta famille. They will always have a leper in your family. Donc si tu vérifies, si tu remontes bien, tu vas trouver que un lépreux, si tu fais des enquêtes, tu mets des enquêtes sérieuses, tu trouveras un descendant de Gehazi parmi les lépreux de notre génération. If you make a serious survey, you find that one descendant of Gehazi has a leper in our generation. La plupart des maladies héréditaires qui créent la honte sont des malédictions qui viennent de loin. Most of the hereditary diseases that create shame are curses that come from far. Dieu peut décider. God can decide. De retirer le probe. To remove the reproach. Le premier bénéficiaire sera toi-même. The first one who is going to benefit is the one. Hallelujah. Si vous êtes violent, dis Seigneur, nous sommes violents. If you are violent, say God, you are violent. Nous sommes des voleurs. You are thieves. Nous sommes des menteurs. You are liars. Nous sommes pleins d'orgueil. You are proud, full of pride. Et tu justifies Dieu. And you justify God. Tu lui dis, tes jugements sont bons. You say your judgments are good. Tu n'es pas méchant, tu es juste. You are not wicked, you are righteous. Daniel disait, à nous la honte, à nous la confusion. Daniel was saying, shame unto us. Et ne sois pas arrogant. And don't be arrogant. Dieu écoute les discours. God listens to discourse. Il analyse les discours. He analyzes discourse. Il a dit à Jérémie, he told Jeremiah, je suis attentif et j'écoute. I'm attentive and I listen. Ils ne parlent pas comme ils devraient. They do not speak as they should. Quand on prie, when you pray, Dieu écoute les phrases. God hears to the sentences. Parce que la bouche parle quand le cœur est rempli. Because the mouth speaks when the heart is full. S'il y a la folie dans ton discours, c'est qu'il y a la folie dans ton cœur. If there's madness in your word, then there's madness into your heart. Si tu dis on a fait quoi même Seigneur, on a fait quoi, on a fait quoi, on fait quoi? Say, Lord, what did we do? What did we do? Il comprend que celui-ci n'a pas les oreilles ouvertes. If you understand, this has not his ears which are open.
Une sœur me disait, pourtant je paye la dîme, je fais tout. Je lui ai dit, est-ce que Dieu t'a demandé la dîme? Dieu veut ta vie, ta vie. God says, your life. Il a dit dans sa parole que je ne peux pas mélanger le péché avec les solennités. God said in his word, I cannot mix solennity with sins. Je hais vos nouvelles lunes, je hais vos fêtes. He said, I dislike your new moons, your feast. Il y a des gens qui pensent que Dieu est là dès qu'on dit Alléluia, Alléluia, il est content. Non. And some people think that God is the one say Alléluia, Alléluia, he's happy. No. Pour lui, il demande qui chante. God asks for those people who is singing. C'est ça qui compte pour lui. It's what counts for him. Donc, parle à ton père. So speak to your father. S'il exauce, if he hears you, ça libère toutes sortes de bénédictions. Every kind of blessing is liberated. Ça libère d'abord le salut. First salvation is liberated. Ça libère les guérisons. Healing. Ça libère les bénédictions matérielles. Material blessing. Ça libère les grâces émotionnelles, les mariages. Is a release emotional favor like parce marriages. Parce qu'il va combattre tous ces gens, tous ces esprits qu'on appelle mari de nuit là. Lui-même va les combattre. Because you fight all the spirits that they call men husband in spirit. Him, so you're going to fight all them. Il va résoudre nos problèmes. He's going to solve the problem. Il va désenvoûter. He's going to disbewitch. Même si tu es dans le ventre d'un monstre, les anges vont fendre. If you're in the womb of a monster, the womb you'll be open. S'il veut lui-même, il parle, il dit, libère, ça retentit, ça secoue l'abîme. If you want him, c'est que release him in his head. Je vous ai dit un jour qu'il m'a enlevé, j'ai entendu, utilisez ma puissance. And somebody said that he raised me one day in my head, use my power. Il est vivant. He's alive. J'étais conscient, j'entendais. I was conscious and I heard. Il y a des gens qui disent la Bible là, c'est les hommes qui ont écrit. Est-ce que c'est l'homme qui m'a parlé ce jour-là? People have been saying the Bible is written by man. Is it man who spoke to me last that day? Hallelujah. Hallelujah. Depuis ce jour-là. Since that day. Quand je pense à l'authenticité de la Bible, je pense à cette voix-là. Je dis non, la Bible là est inspirée de Dieu. When I read the scripture, I thought about that voice. I said the Bible is inspired. Prions ensemble. Let's pray together. Sois profond, prie, commence. Be deep, start. Obtiens le pardon de ta famille. Obtain the forgiveness of your family. Présente-lui toutes les calamités, toutes les souffrances, tous les malheurs. Present all the disasters, all the calamities, all the unhappiness. Exauce-nous. Yes, as. Continue à supplier en lui rappelant toutes les maladies qui sont là, la mort, les maladies, la misère, la pauvreté, les échecs.
continue to beseech you by reminding all the calamities you have there, diseases, failure, death, premature death. Oh, nous battons, nous commettons l'adultère, nous commettons l'adultère, nous commettons l'adultère. Dis, oh Père, oh Father, mets fin à notre captivité. Oh, put end to our captivity. Mets fin à notre errance. Put an end to our yearning. C'est-à-dire que nous sommes errants. So we are wandering. Nous sommes errants. We are wandering. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Errant dans nos maladies. Wandering in our diseases. De marabout en marabout. From marabout to marabout. De maître à un autre maître. From a master to another master. Dis, oh Père. Oh Father. Nous sommes confus. We are confused. Nous sommes remplis de honte. We are full of shame. L'opprobre. Reproche. La honte. Shame. La misère. Misery. Les idoles nous ont trompés. The idol lied to us. Notre méchanceté nous a égarés. Ramène-nous à toi. Oh, bring us to you. Oh, Père. Oh, Father. Révèle-toi. Reveal yourself. Révèle le Fils. Reveal the Son. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Lord Jesus. Révèle le Père. Reveal the Father. Toi-même, tu as dit que personne ne peut venir à toi si le Père ne te révèle à la personne. Oh, you say, call on the Father, you reveal yourself to that person. Et tu as dit que personne ne peut connaître le Père si le Fils ne l'a révélé. And so no one can know the Father if the Son has not revealed to him. Oh, déchire le voile. Oh, tear the veil. Déchire le voile. Tear the veil. Et attire les âmes à toi. And attract souls to you. Seigneur Jésus, attire-nous à toi. Attract them to you. Attire-nous à toi. Attract them to you. Comme tu l'as promis toi-même. As you promised yourself. Que quand le Fils sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. And when the Son will be raised, he will draw all the men to him. Seigneur, tu as été élevé. Lord, you have been raised up. Tu es mort à la croix. You die at the cross. Attire-nous à toi. Draw us to you. Même les ivrognes endurcis. Even those who are hardened. Qu'il y ait des conversions inédites. If you are that new conversion. Radical conversion. Des conversions authentiques. Authentic conversion. Avec des cœurs disposés à obéir. They are ready to obey. À obéir à l'évangile. Obey to the gospel. Sans discussion. No discussion. Prions en langue. Le printemps. Goro bakasara bakasara. Dis, oh Père, oh Father, exerce tes jugements, make your judgment contre les abîmes, against abyss, et libère les captives, and release the captives, oh Père, oh Father, au nom de ton Fils Jésus Christ, oh, exerce tes jugements. And contre le séjour des morts. Even in the Hades. Et libère les captifs. And release the captives. Oh Père. Oh Father. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus. Visite les lieux arides. Visit the desert. Exerce tes jugements. Exerce your judgment. Libère les captifs. And release the captives. Et oh Père. Oh Father. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of Jesus. Visite les lieux célestes. Visit celestial places. Visite les armées des ténèbres. Dans les lieux célestes. Renverse les méchants esprits. Libère les captives. Release the captives. Oh Père. Oh Father. Visite toutes les forêts. Visit all the forests. Toutes les savanes. Visit the savannah. Exerce tes jugements. Exerce the judgment. Libère les captives. Release the captives. Et attire-les à toi. And draw it to oh you. Père. Oh Father. Visite les montagnes. Visit the mountains. Visite les collines. Visit the hills. Libère les captives. Release the captives. Libère les captives. Release the captives. Fais rouler les montagnes. Roll out the mountains. Libère les prisonniers sous les montagnes. Release the prisoners under the au mountains. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Attire-les à toi. And draw them to you. Draw oh them to Père. You. Oh Father. Visite les eaux. Visit waters. Et les lieux plus bas que les eaux. And places under the water. Brise les chaînes. Break the chains. Libère les captives. Release the captives. Libère les captives. Release the
les captives. Et attire-les à toi. And draw them to oh them. Seigneur. Oh Lord. Visite les lieux plus bas que la terre. Visite les lieux bien vivants. Libère les captives. And release the captives. Ordonne la délivrance. Ordonne délivrance. Ordonne la délivrance. Ordonne délivrance. Attire les captifs à toi. And draw the captives to you. Attire les captifs à toi. Oh Père, oh Father, que les monstres soient jugés. The monsters must be judged. Que tous ceux qui ont avalé vomissent ce qu'ils ont avalé. All those that have been vomited, have been swallowed, should be vomited. Que toute âme, any soul, tenue captive dans le ventre des monstres, who they captive in the womb of the monster, vomit maintenant. Must be vomited now. Que les ventres soient fendus. But they will be open. Les ventres des reptiles. Le ventre des reptiles. Que open, les captifs soient libérés. And they come to be free. Qu'ils viennent à toi. And they come to you. Qu'ils soient attirés à toi. They should be drawn to you. Qu'il n'y ait aucun esprit. No spirit. Qui retienne les âmes captives. You hold captive the soul. Donne la délivrance. No animal. Envoie des légions d'anges. Bring legions of angels. Déploie ton armée céleste. Deploy your celestial armies. Et déploie ton armée terrestre. Bring your terrestrial armies. Qu'il y ait des jugements partout. So you have judgment everywhere. Car il est écrit. Because it's written. Quand l'Éternel exerce les jugements. But when the Lord exerces judgment. Les nations apprennent sa justice. The nation learn his justice. Délivre, 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 délivre. Délivre, 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 délivre. Deliver, deliver, deliver. Par amour, par amour, par amour. Out of love, out of love. Par compassion, par compassion, par compassion. Out of compassion, out of compassion. Par miséricorde, par miséricorde. Out of mercy, out of mercy. Par grâce, par grâce, par grâce. Out of grace, out of grace, out par of grace. Par bonté, par bonté, par bonté. Out of goodness, out of goodness. Oh Père. Oh Father. Nous connaissons tes bontés. You know your kindness. Tes bontés ne sont pas épuisées. Your kindness has no end. Tu délivres le malheureux. You deliver the unhappy. Tu libères les prisonniers. We deliver prisoners. Tu restaures ceux qui en sont tombés. You restore those who fall. Tu relèves ceux qui sont tombés. You stand up those tu who fell. Tu ramènes la vie ceux qui sont morts. You give life to those who are dead. Tu es capable de nous sauver. You are capable to save us. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. Dehors. Beside you. Les idoles. Idols. Dehors. Out the idols. Les idoles. Idols. Proclamons que c'est Jésus qui doit entrer dans nos familles. You have proclaimed that Jesus who must enter your family. Guria bakara mazindi riba sama ali abakasindi karabatia karamazindi bakasana guria bakasara baka ora bakasara baka ora bakasara baka ora bakasara baka shika onda rabakasaka ora bakase ora bakasara ora bakasara baka 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 dis, oh Seigneur Jésus, so, éternel, c'est ton règne que nous voulons. So, your reign that le règne de Jésus, le règne de Jésus, le règne de la lumière, the reign of light, le règne de la vérité, the reign of truth, le règne de la délivrance, the reign of deliverance, le règne du pardon, the reign of forgiveness, le règne de la paix, the reign of peace, le règne de la joie, the reign of joy, le règne de louange et d'adoration. Oh Père, oh Father, ordonne les temps de guérison. Ordonne les temps de guérison. Ordonne les temps de délivrance. Ordonne time of deliverance. Ordonne les temps de salut. Ordonne time of salvation. Continue à prier en langue. Let's continue to pray in tongues. Ora baka sherga la baka sherga baka. Ora baka sherga la baka sherga la baka. Sherga la baka sherga la baka sherga la baka. Ora baka sherga la baka sherga baka. Ora baka sherga la baka sherga baka.
Tu peux t'asseoir. You can sit down. Gardez le calme. So remain calm before the Lord. Le Seigneur peut te parler. God can speak to you. Jésus-Christ. Jesus Christ. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Bannis l'envoûtement. Banish bewitchment. Et libère les captifs. And release the captives. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout démon. And any demon. Caché dans un corps se manifeste et s'en aille. Hidden in a body, she manifests itself and go. Esprit impur, manifeste-toi et va-t'en. Impure spirit, manifest yourself and go. Va-t'en vite. Go away quickly. Esprit méchant. Wicked spirit. Tu es exposé. You are exposed. Ramasse tout ce que tu as amené, tu t'en vas. Pack all that you have come with and go with it. Korabaka shurga baka shurga laga baka shurga laga baka shurga baka shurga baka. Korabaka shurga laga baka shurga laga baka shurga baka laga shurga baka. Korabaka shurga laga baka shurga laga baka shurga laga shurga baka. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Tu es renversé. You are overthrown. Va-t'en vite au nom de Jésus Christ. Go away quickly in the name of Jesus Christ. Va-t'en vite, vite. Go away quickly, quickly. Karabaka shurga baka sharga baka sharga baka. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Ce que Jésus t'a fait à la croix du calvaire. What Jesus did to you at the cross of the calvaire. You cannot come back from it. Tu es renversé. You are overthrown. Tu es jugé. You are judged. Tu es exposé. You are exposed. Va-t'en vite, vite. Go away quickly, quickly. Va-t'en vite, vite. Go away quickly, quickly. Kalabakashu, esprit de mort. Spirit of death. Esprit de mort. Spirit of death. Tu es exposé. You are exposed. Va-t'en vite. Go away quickly. Kalabaka sharga baka. Va-t'en. Go away. Kalabaka sharga. Va-t'en, sors et va-t'en. Go away. Go out and go. Kalabaka sharga baka laga sharga laga baka sharga laga baka sharga baka. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout esprit humain. Any human spirit, tout esprit de mort, any spirit of a dead person, qui habite quelqu'un, who dwell in someone, dans ce lieu, do not have his place in that place. Va-t'en vite, go away quickly, sort, out. Karabaka shurga baka sharga laga baka shurga laga baka. Karabaka sharga baka laga sharga baka. Tout esprit démoniaque, any demonic spirit, tout esprit de mort. And your poverty. Qui a fui le séjour des morts. You are placed in pour the habiter ages. Dans un corps. You must not dwell in a body. Va-t'en, vite, vite, vite. Out, quickly, quickly. Tout esprit de serpent. Any spirit of serpent. Que ce soit le python ou tout autre serpent. It might be a python or any other snake. Si tu es serpent, serpent. If you are a snake. Tu es chassé. You are cast out. Va-t'en, vite. Go away, quickly. Au nom de Jésus Christ. Esprit méchant, wicked spirit, tu es le serpent, tu es le serpent. You are the tu snake. Ne dois pas habiter dans un corps. You must not dwell. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Sort. Out. Et va-t'en. Out and go. Vite. Quickly. Karabaka shurga baka laka sharga laka baka shurga laka baka. Esprit méchant de maladie. Any wicked spirit of diseases. Esprit, si c'est un sort. If it is a bewitchment.
There was cast on tu es venu exécuter un sort. If you have come to execute a spell. Je te chasse. I cast you out. Va-t'en vite maintenant. Go away quickly. Ton travail est fini. Your work is finished. Ton travail est fini. Your work is finished. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout esprit. That any spirit. Qui provient d'un envoûtement. That comes from bewitchment. Qui est venu par des paroles d'un être humain. That comes from the word of a human being. Travaillant dans des sectes. Working in sects. Des sectes universelles. Universal sects. Ou bien dans les sectes traditionnelles. Or traditional sects. Ou bien chez les marabouts. Or even the fetish priests. Tout, si tu es venu. If you have come. Par enchantement, par ensorcellement. By bewitchment, by witchcraft. Va-t'en maintenant. Go away now. Va-t'en. Go away. Ton rôle est fini. Your role is finished. Ton travail est fini. Your work is finished. Esprit impur. Impure spirit. Qui est venu exécuter un sort. You have come to execute a cast. Tu es jugé. You are judged. Renversé. Overthrown. Jugé. Judge. Jugé. Judge. Jugé. Judge. Que tout esprit. That any spirit. Qui suit une femme ou bien un homme. That follow a woman or a man. Appelé mari de nuit ou femme de nuit. Call husband in night. Tout démon. Tout démon. Or woman or not. Any demon. Tout esprit any humain. Any human spirit. Ou tout esprit impur. Or any impure spirit. Tout esprit de génie. Spirit of genius. Pris une âme en captivité. That took a soul in captivity. Pour faire de cette âme là son mari ou sa femme. To make that soul his husband or wife. Tu es renversé. You are overthrown. Tu dois partir. You must go. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite, vite, vite. Go away quickly, quickly. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Va-t'en, va-t'en. Go away, go Et away. Je libère le vrai mariage. And I release the marriage. Je libère le vrai mariage. I release two marriages. Je le libère. I set him free. Afin qu'il ait lieu. So the marriage should take place. Contre toute volonté. Against any will. Je le libère. I release him. Je libère. I release it. J'arrache toute forme d'alliance. I remove any kind Je of covenant. Je déchire. I tear. Je casse toutes les alliances. I break every covenant. Je les broie au nom de Jésus. I destroy the name of Jesus Je Christ. Je libère tous les captifs. I release all the captives. Qu'il y ait des mariages inédits au nom de Jésus. You are the married au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Je brise tout. I break the cage. I destroy. Je brise les alliances. I break the covenant. Je fais sécher les eaux. I dry the waters. Je fais sécher les eaux. I dry up the waters. J'expose les esprits des eaux au jugement de Dieu. I spoil the name of water. Au jugement de Dieu. To the judgment of God. Au jugement de Dieu. To the judgment of God. La colère de Dieu. Unto the anger of God. Contre les esprits impurs. Against impure spirits. Qui détruit les desseins de Dieu. That destroys. Au nom de Jésus-Christ. The name of Jesus Christ. Sors. Out. Va-t'en. Out. Tu ne resteras pas. You will not remain. Tu ne resteras pas. You will not remain. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tu ne resteras pas. Esprit qui assure l'incarnation. The spirit that brings incarnation. Esprit d'incarnation. Spirit of incarnation. Esprit de dédoublement. It's not that double himself. Va-t'en vite. Out quickly. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Out and go away. Tout esprit humain. Any human spirit. Tout esprit d'un être humain. Any spirit of a human ou being. Ou d'un mort. Or a dead. Qui habite dans un corps. That dwell into a body. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en maintenant même. Out now. Va.
Go! Va! Go! Va! Go! Va! Go! Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Va! 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 Go! 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 Va-t'en! Go! Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Tu es jugé. We are judged. Tu es jugé. We are judged. Tes œuvres sont mauvaises. Your works are bad. Tu es condamné. You are condemned. Tu es condamné. You are condemned. Out! Tout esprit de mort. Any dead spirit. Tout esprit de mort. Any dead spirit. Qui habite dans un corps. That is in your body. Tu ne dois pas y rester. You must not dwell there. Tu ne dois pas y rester. You must not remain that body. Sors, va-t'en. Out and go away. Sors. Out. Jésus Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Jésus Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Jésus a vaincu Satan. He has defeated Satan. Jésus a vaincu Satan. He has defeated Satan. Jésus est mort à la croix du calvaire. He died on the cross of Calvary. Jésus a donné sa vie. He gave his life. Jésus donne sa vie. He gives his life. L'ennemi vient pour voler. The enemy comes to steal. L'ennemi vient pour voler. He may come to steal. Tout esprit. Any spirit. Responsable de la pauvreté. Responsable of poverty. Des échecs. Of failure. Esprit d'échec et de pauvreté. Failure and poverty. Tout esprit responsable de la pauvreté. Any spirit responsible of poverty. Jésus a sauvé les âmes. Jesus has saved souls. Tu ne dois plus y rester. You must no more remain. Va-t'en maintenant, man. Go away now. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Jésus a libéré les captifs. God has released the captives. Jésus a libéré les captifs. Jésus a libéré les captifs. Jésus a released les captifs. Jésus a libéré les captifs. Jésus a released les captifs. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Go away. Karabaka shara baka shara baka. Tout esprit. Any spirit. Responsable de la stérilité. Responsible of the fecundity. Responsable de la stérilité. Responsible of the fecundity. Va-t'en. Go away. Sors. Out. Libère. Release. Et libère. Release. Et qu'il y ait enfantement, enfantement, enfantement. Should be childbearing, childbearing. Les vrais enfants que Dieu a donné. True children that we have given. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout enfantement soit cassé. Any bewitchment should be broken. Que tous les objets d'enfantement soient détruits. All the objects and bewitchment should be destroyed. Que les bouteilles soient cassées. Must the bottle be broken. Que les cercueils soient brisés. The coffin be broken. Que les tombes soient cassées. That the tomb be broken. Que les captifs sortent. That the captives be released. Que les captifs sortent. Que les captifs should come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Que tous les démons qui sont venus. That all the demons that come, à travers les enchantements sur les noms des personnes, through enchantment over names of people, à travers l'utilisation de leurs photos, through the use of the pictures, tu es jugé. We are judged. Tu es jugé. We are judged. Tu es jugé. We are judged. Tes œuvres sont méchantes. Your works are evil. Que les captifs soient libérés. May the captives be released. Et toi-même, tu dois aller où tu es venu. And you must go. Sors et va-t'en. Out and go. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus Christ. Que tous ceux qui sont dans au fond des mers. That you those are deep in the to the sea. Sortez des eaux. Come out of the waters. Et retrouve la liberté en Christ. And be released. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Karabaka sharga la baka sharga la baka sharga baka. Korabaka sharga la baka sharga. Karabaka sharga la baka sharga. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus que Christ. Que tout esprit. That any spirit. Envoyé pour barrer la route. Come to block the way. Pour empêcher d'avancer. To prevent you from going dans ahead. Dans quel domaine que ce soit. No matter the domain, tu es frappé. You are hit. Tu es renversé. You are thrown. Tu es frappé. You are hit. Que la voix soit frayée. Must the word be open. Frayé, 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 frayé. Open, open. Qu'il y ait du progrès, du progrès, du progrès. So progress, progress. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Qu'aucun esprit ne revienne plus jamais. No spirit, any spirit should come anymore.
dit dans les eaux pour ceux qui sont venus des eaux. So in the water for those who come from the water. Dans les abîmes pour ceux qui sont venus des abîmes. In the into the abyss for those who come from the abyss. Dans les airs pour ceux qui sont venus des airs. Into the air for those who come from the air. Dans les lieux arides pour ceux qui sont venus des lieux arides. From the desert for those who come from the desert. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Dans les eaux ceux qui sont venus des eaux. Into the waters, sous les eaux, ceux qui sont venus sous les eaux. Under the waters, for those who come under the waters. Dans les montagnes, ceux qui sont venus des montagnes. Into the mountains, for those who come from mountains. Mais qu'aucun esprit ne suive un seul d'entre nous. So, no spirit should follow any brother of us. Qui ne se tienne pas sur la route. He should not stand on the way. Qui n'aille pas à la maison. He should not go home. Qui demeure enchaîné où ils sont partis. He should remain chained where he went. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for the Lord.